Dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez que nous allons parler de Vaporubs et de Vaseline. Oui, vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouviez vous servir de ces deux ingrédients? Avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, allez-y. Cliquez, abonnez-vous. Ou ceux qui sont en Afrique, qui vont me dire, oui Rose, on n'a pas de Vaporub, vous pouvez utiliser ceci. Ça s'appelle Vitago. Hein, ça se présente comme ceci, voilà, à l'intérieur. Donc, c'est exactement comme le Vaporub. Vous pouvez l'utiliser, ça fera exactement le même effet. Vous allez me dire, ok Rose, pourquoi est-ce que tu nous conseilles d'utiliser ces deux ingrédients? Ça va tout simplement vous donner une grande sensation de bien-être. Mais ce n'est pas tout, mes petits chats. Ça va apporter une extrême sensibilité et ça va humidifier la peau. Il est très important de bien vous laver avant de commencer le traitement et bien sûr de vous laver les mains. Sachez que le Vaporub va simplement permettre d'humidifier, de sensibiliser, mais surtout de booster les muscles et les veines. Donc c'est pour ça que vous auriez besoin de ceci. Donc ici, mes amours, je vous avais déjà parlé de cette huile qui est de l'huile d'ylang-ylang. Voilà. Je vous avais dit que cette huile était simplement exceptionnelle pour vous qui aviez des problèmes. Je vais vous mettre un lien là-dessus pour que vous alliez voir. Donc je vous conseille vivement d'utiliser ça dans votre préparation. Bien sûr, si vous n'avez pas, vous pouvez simplement vous servir du Vaporub et de Vaseline. Donc voilà. On va prendre une cuillère. Une cuillère à café, hein, donc une demi-cuillère normale. De Vaseline comme ça. Et une toute petite miette de Vaporub ou de Vitago, donc ce que vous avez, mais vraiment une toute petite quantité, à peu près ceci. Donc vraiment une toute petite quantité, et vous allez mixer les deux. Ce qu'on obtient, donc c'est suffisant pour pommader pendant plusieurs jours. Donc voilà, vous allez prendre simplement une petite quantité comme celle-ci. Écoutez. Pour ceux qui se demandent où est-ce que vous pouvez trouver tous ces produits, du Vitago, Vaporubs, tout ça, le site Wish France vend tous ces produits-là. Donc voilà, une fois que c'est prêt, vous allez simplement mettre sur la zone. Appliquer comme ça en profondeur. Hein. Donc, il faut bien appliquer. C'est très important d'appliquer sur toute la peau. Avec force. Donc, voyez, vous allez voir que ça commence à chauffer un petit peu. C'est tout à fait normal. Vous continuez bien l'application. Même si c'est chaud, ne paniquez pas. Hein, c'est le but du jeu. C'est pour activer toutes vos veines. C'est pour travailler en profondeur sur toute la zone. Donc, vous faites ça. Vous allez faire ça pendant 5 à 10 minutes. Voilà, une fois que ça a complètement bien pénétré, vous allez encore laisser poser pendant environ 15 minutes. Ensuite, vous rincez. Surtout, je vous ai dit avant l'application, soyez sûr que vous êtes bien propre, que tout est bien hygiénique chez vous. Et ensuite, vous laissez, vous appliquez pendant, comme vous avez pu le voir, pendant 5 à 10 minutes et vous laissez poser 15 minutes. Faites-le tous les soirs. Mes amours, je vous conseille d'utiliser le Vaporub simplement parce que c'est un puissant stimulant. Oui, ça va vous aider. En combinaison avec la Vaseline, vous connaissez les vertus de la Vaseline. Je vous ai parlé de la Vaseline dans plusieurs vidéos. Je vous ai dit que ça permettait d'humidifier, de protéger, de prendre soin de votre peau, mais surtout pour vous qui avez besoin d'augmenter. Oui, ceci va simplement être pour vous en combinaison avec ceci, la Vaseline. Donc oui, mes amours, avant de rentrer dans la préparation du produit, je vais simplement vous donner quelques petits conseils. En numéro 1, votre hygiène doit être irréprochable. Ça veut dire qu'avant de passer à la préparation de la pommade, vous devez bien vous laver les mains, bien laver les parties concernées. En numéro 2, n'appliquez pas ceci sur le corps plus de 15 minutes. Oui, vous allez simplement, comme vous pouvez le voir dans la préparation, vous allez simplement prendre un quart de cuillère à café, un quart, j'ai dit, et bien sûr une cuillère à café de Vaseline. Bien que ce soit quelque chose de très actif, de boostant, d'hyperactif, on va dire ça comme ça, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser
toute la soirée sur la peau, non, surtout sur les parties sensibles. Donc voilà mes amours, vous faites ça tous les jours, vous allez voir qu'en application avec la vaseline, non seulement ça va vous booster, ça va vous stimuler, mais surtout vous allez voir qu'en épaisseur et en taille vous aurez augmenté. Donc voilà mes petits chats, c'était la petite vidéo du jour, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas mes amours, likez, commentez et surtout partagez.